peut parler de prévention du suicide. Il y a des gens qui vont dire, ben, c'est jamais arrivé dans ma famille, c'est jamais arrivé dans mon milieu de travail, il n'y a aucun problème. On n'a aucun problème jusqu'à temps qu'on l'ait. C'est pas réel, là. T'es assis là, puis t'attends que l'auto de police arrive, là. Au bout d'une demi-heure, l'auto est arrivé. On n'a pas attendu qu'il rentre, là. Moi, ça, on me dit pas dans la vie que si je fais pas attention à ma santé mentale, je peux m'enlever la vie. Au bout de plusieurs souffrances mentales, ben, je le sais pas. Moi, j'en avais aucune idée avant. Comme là, c'est sa fête qui s'en vient. Puis elle va avoir 18 ans, là. Mais il va avoir une grosse pensée pour elle. Parce qu'elle me manque beaucoup. 18 ans. Une belle ado. Pas doit être belle. On doit s'assurer que comme société, on se dise « Non, on n'accepte pas ça. On normalise pas le suicide chez nous. » Mon chéri, le soleil ne brille plus. Un coup de vent et mon cœur s'est tu. La personne qui choisit de se suicider, mais souvent elle n'est pas consciente de tout l'impact de son geste, le deuil traumatique que ça implique, des années de souffrance, à quel point tu n'élimines pas la souffrance, tu la multiplies par le nombre de personnes autour de toi. On apprend à vivre sans lui, on réapprend à réorganiser sa vie, on apprend à réorganiser notre vie, mais ça ne se trouve jamais comme avant. Shattered in pieces, I hope you don't stop.